Salut les amis, on se retrouve pour la deuxième vidéo sur Pet Clinic Cat and Dogs. Alors voilà, je vais vous dire ça de suite, parce que j'ai voulu un petit peu quand même. Alors très bien, tout se passe bien ici pour l'instant. Oh bonjour Jessica, je peux t'aider? Eh bien j'ai entendu dire que la clinique poussiéreuse de Henry avait été rénovée. Il fallait que je voie qui avait eu envie de reprendre cette vieille baraque. C'est l'un des petits-enfants adorés de Henri. Il était très fier de présenter la personne qui a repris la clinique. Oui, je sais, un de ses petits-enfants préférés. Jessica, pas vrai? C'est un plaisir de vous rencontrer. Bon, je vous souhaite bonne chance pour durer avec Vetcorp. On verra comment ça finit. Je dois retourner travailler. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle était aussi de mauvaise humeur? Peut-être qu'elle a passé une mauvaise journée. Jessica est en général très sympa. Au regard de le premier patient, tu devrais aller voir. Ok, donc voilà. Alors Jessica, je ne sais pas qui c'est, mais ça fait un bon. Pour vous dire que je suis au niveau... pas là, après. Ici, je suis au niveau... niveau 5. Je suis au niveau 5, j'ai 24 étoiles et 1300 pièces. Ni une poisson d'argent, 6 trucs d'or, 7 de bronze et 6 d'argent. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avant de commencer? Ici, j'ai déverrouillé une modification pour la salle d'examen. Qui était, je ne sais plus quoi d'ailleurs, exactement. Ce que c'était. Ensuite, donc j'ai déverrouillé la pharmacie ici. Et vous voyez la pharmacie, il y a des trucs, on verra ça, on va le voir. La pharmacie. Ici c'est bon, c'est normal. Ici il n'y a rien. Ici il faut que j'allume le, faut que j'ouvre la clinique. Donc voilà. Et on va faire ça de suite. Ok. Alors, où est-ce qu'il est passé? c'est bon, c'est un chien, je vais faire comme ça. Ok, on est parti, allez, je vais vous montrer ça. Georgia, c'est un boxer, ouais. C'est une femelle. Depuis notre dernière balade en forêt, nous avons remarqué que notre animal avait de plus en plus de petites bosses sur son pelage. Bon, c'est un petit peu la même chose. Ça va être des tiques. C'est un boxer. Donc je me suis amélioré un petit peu. Quand même. Donc voilà. Commencer le traitement. Alors. Alors c'est parti. Par contre, au niveau temps, je suis toujours limite. Hein. Commencer le traitement. Alors, c'est des tiques, donc. Ouais, c'est une tique, donc ça va aller plus vite. Hein. Raté, ça fait rien, tant pis. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est, ça va être vite fait. Hein. Celui-là, il va être rapide. Ouais. Pattes arrière gauche ont été retirées. La crème, non. Non plus. La patte arrière gauche, ouais, c'est ça. Allez, go. Donc, ok. Une petite caresse. Un boxer, ça change. Il y a pas mal de races, quelques-unes en chien, en chat. Alors, c'est pas un chepa celui-là? Ouais, ouais, tant pis. Allez, go. Dossier l'animal. Ok, c'est bon. Allez, c'est bon. Trois étoiles, on va pas. Ça, on l'a déjà vu, donc.
Ok. Un autre chien. Alors ici, on peut ici sur le panneau ici, il y a un panneau, la galerie. La galerie, vous voyez, il y a des chiens. Là, c'est un labrador. Après, c'est encore ici, il y en a un autre, hein, le Beagle. On a un Shiba. Ici, un Teckel. Là, il y a des chats. Etc. Les boxers, il y a un berger allemand, il y a un caniche, mais ça on verra après, c'est marqué donc ce qu'il y aura. Donc ensuite, Labrador, Bella, Labrador, une femelle aussi. Depuis notre dernière balade en forêt, on a remarqué que notre animal est de plus en plus. Encore, obstinément. Bon, c'est la même chose, sinon. Oh, tant pis, hein, c'est pas grave. On prend ce qu'il y a, hein. Allez, go. Tika, la patte a été retirée. J'ai que la patte arrière. Il n'y a pas de tic, ouais. Ouais, c'est celui-là. Allez, go. Allez, go, hein, c'est bon, je vais pas éterniser. La voix d'or, allez. Ah, c'est la fin de la journée déjà? Popov, qu'est-ce qui est marqué? Place des décorations. Obtenir des décorations. Place des décorations. Je veux bien. Tu peux améliorer de nouvelles salles, d'accord. Des décorations. Oh oui, d'accord, je vais déjà faire ça. Tu peux améliorer de nouvelles salles. Oui, qu'est-ce qu'on peut améliorer alors? Des décorations et où? Je sais pas. Peut-être que si. Hein. Qu'est-ce qu'ils disent là? Parce que je sais pas. Place des décorations. Il faut juste des décorations. Une décoration, trois décorations. Bon, je vais mettre ici décoration. Alors. Bien ce. Là. Salle d'attente, je vais en mettre une. Une chaise, qu'est-ce qu'on peut mettre? À quoi ça marche ce truc? À niveau 11, non, on peut pas alors. Ouais, d'accord. Niveau 11. Et nombre de sièges, comment on fait pour avoir le niveau 2, niveau 3, niveau 4? Décoration, bon, on peut pas. Niveau 11. Et bon, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut. Ah, ici alors. Et non, niveau 8. On peut pas. Ah ouais. Qu'est-ce que j'ai pas compris là. Bon, je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Ah ouais, d'accord. Je n'ai pas tout saisi, mais là, bon, je vais être ici alors. Ok, il n'y a que deux de toute façon. Ah d'accord. Ouais, je vais tuer là. Oh, c'est pareil. Allez, go. Je place. Je place.
comment je fais? Eh bien, ça y est. Ah oui, d'accord, ça y est, je l'ai placé. Ok. Est-ce que je peux? Ah oui, c'est le. Et donc là, j'ai dit, je peux pas. Là non plus, bon, je vais en mettre un ici alors. Si j'ai bien compris. Ah d'accord. Et ici, ça c'est quoi, bout de chocolat? Ça c'est quoi le truc? Et ça c'est quoi? Ouais, je vais mettre ça. Ah, il n'y a que deux machins, d'accord. Non, je vais pas mettre ça alors. Rien de ce. Ah ouais. Pouah, mais n'importe quoi, moi. Moi, je vais mettre ça, allez, go. Parce que c'est. On dirait les bestioles en plastique, là. Allez, go. Voilà, ouais. Ah là aussi, d'accord. Donc on peut améliorer. Où c'est que j'ai le... Et là, on peut venir aussi. Aussi. Ah, aussi. Niveau 11. Ah, non. D'accord. Bon. Il va mettre là alors. Ouais, des bonbons. Ouais. Bon. C'est bien, mais. 5 sur 2. Ah, pardon. Place des décorations. Ah, obtiennent des décorations. Et comment on fait pour les obtenir? Je sais pas. Ça, j'ai pas compris. Un peu amélioré de nouvelles salles. D'accord. Qu'est-ce qu'on va mettre alors? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a ici? Eh ben, on va mettre la salle. Je peux pas m'embêter. Voyons, on va tester. Salle d'opération. On peut pas? Ouais, c'est m'a retourné. Ok. Donc on peut pas là. Bon. Et ici, elle m'avait parlé, je crois, de trucs extérieurs. Oui, me semble. 750. Ah, 750. D'accord, l'espace extérieur, ouais. Ok. En fait, c'était ça, en fait. D'accord. Et parce qu'ici, à s'ouvrir, c'est un espace extérieur où les animaux peuvent aller. Ouais, d'accord, ok. Ouais, j'avais pas tout compris dans l'histoire là, mais il y en a encore un autre, hein, c'est Paul. Optime, collecte des décorations. Et comment je fais pour en collecter moi, des opérations? Ben, est-ce que je sais moi? Je ne sais pas. Et là, qu'est-ce qui est marqué? Niveau 14. On n'est pas au niveau 14. Ah, radiographie, d'accord. Là, on peut pas. Ici, c'est quoi? Enfin, au pif. Hein. Ah, le bain des animaux, d'accord. À niveau 8. Non, je suis pas non plus. Non plus. Ok, et là, c'est quoi? Salle du personnel. 1500, on peut pas. 1500, j'ai pas assez de sous-sous. 700. D'accord. Ouais, qu'est-ce que je fais après alors? Installation. Salle d'entretien. 1125, j'ai pas assez de sous non plus. Oui. Bon, bref. Je sais pas. Ah, votre là. Là, on peut rien mettre.
Bon, j'en ai que deux, je peux pas mieux. Bon, c'est bien gentil leur truc là, mais. Ah oui, les obtenir. Mais comment je fais pour les obtenir? Je sais pas. Encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? Mais je comprends rien leur truc là. Bon, allez, basta, allez, go. Ouais, je sais pas. Allez, go, on va fermer. On va fermer la clinique. Ouais, c'est bon. Allez, go, on ferme. Je sais pas. Ok, allez, c'est bon. Ouais, j'ai pas tout compris là, une histoire, mais ça fait rien. Allez, go. Ouais, c'est bon, hein. On va s'embêter. Bon, qu'est-ce qu'il y a marqué? Ah, toujours pareil. Ah, voici notre. Jardin extérieur pour les animaux. Ok. Ça c'est ouvert. Ici c'est ouvert. Donc on est bon. Ici aussi. Ici aussi. Où est la clinique? Allez, go! Ouais, pour peut-être décoration, je pense qu'il faut. Il faut truc, je pense. Je sais pas. Et là, je suis à combien alors en fait? Niveau 5. Saisir le nom de la clinique, comme c'était fait déjà. Bon. Ouais, c'est pas grave. Allez, go. Ensuite, programme Rosie. Rosie, c'est un beagle. Pendant sa promenade, notre petit chou a marché sur une branche et se lâche la patte depuis. Ça lui fait mal, on dirait. Ok, c'est parti. La loupe. Pincement. Ok. Ah oui, c'est ici. Mince. Ici. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est le même truc tout à l'heure. Ok. Hop. Alors, la pommade. Bon, ça on l'a déjà fait, hein. Raté, ça fait rien. Ah, c'est pas raté, mais. Oh, zut! Oh, tant pis. J'ai que du jaune. Ouais, c'est pas grave. Allez, pansement. Ah, pardon. Alors, ça me résume bien, ça fait mal. J'ai dû soigner une petite blessure sur sa part arrière gauche. Patte arrière gauche, alors. Non, avant, non. Une fois de la crème sur la patte avant, non plus. Ce n'était qu'une petite blessure sur la patte arrière gauche, avec un peu de repos.
La plaie sera guérie. Ok. Bon, on enchaîne parce que c'est vrai que on a fait, donc on va pas s'embêter, du coup, ouais. Bon, c'est un peu répétitif, quoi, surtout qu'on a vu c'est un petit peu la même chose, mais bon. Obtiens des décorations, mais t'es géant. Ah, voilà quand même, face marron. Fermé. Elle, c'est quoi ce L? Je sais pas. Ah, 6, félicitations, ok. Pfiou, une salle d'entretien, il était temps que tu fasses quelque chose concernant le manque d'hygiène ici. Chez Vetcorp, nous avons un service de nettoyage qui s'occupe de tout. Oh, je sais pas qui c'est cette fille. Ah oui, tant mieux, pour toi. Oh oui, j'ai appris à nettoyer derrière moi. Il faut que tu te rendes compte qu'à l'époque, c'était le rôle de Jessica de tout nettoyer. Ah, c'est elle qui nettoyait, ok. Elle est sûrement très contente que quelqu'un s'en occupe désormais. D'accord. Et après, je sais pas. Donc là, traite des patients, soulage les patients, 3 étoiles pour les patients, collecte des pièces, 1000 pièces. Oh, je sais pas. Fais de la place pour Henri. Ah oui, c'est le mec d'entretien. Construis la salle de rangement. Construis la salle du personnel. L'extase extérieur, c'est fait. Ouais, d'accord. Alors, j'ai ouvert. Donc, il y a dossier de l'animal. Odin. C'est un beagle. Depuis que temps, mon bébé a l'air plus fatigué et apathique que d'habitude. De plus, sa fourrure paraît moins brillante. Qu'est-ce qui lui arrive? Et on va le savoir de suite. Allez, c'est parti. Ah, le fameux truc, c'est vrai. Alors, oui, je ne crois que j'ai compris le truc, quand même. Jaune, 1, 2, rose. Alors, 1, 2, ah, j'ai compris, suivant, rose, 1, jaune, 1 vert, 2 verts. Alors, 1 ici, 1 ici, 1 ici. J'ai compris le système du truc là. Ensuite, alors, je sais pas si vous avez montré ça. Et le testoscope, je vous ai montré, ouais. Et il va y avoir une piqûre à faire, ok. Et à préparer le truc. Alors, le testoscope. Le testoscope. Alors, 1. C'est bon. C'est pas bon. Hop. C'est bon. Correct. Suivant. La mixture. Alors voilà, la pharmacie, ça se passe comme ça. Il faut mettre de l'herbe et des vitamines. Alors, de l'herbe. Alors, l'herbe, c'est le vert. L'herbe, c'est celui-ci. Alors, ça se passe comme ça. Hop. De l'herbe, de nouveau, c'est celui-là. C'est marqué sur le truc ici. Hein. Il y a le sigle. Et les vitamines, c'est ici. C'est celui-là, ouais. Hop. Voilà. Ensuite, il faut presser le bidule. Alors là, ça t'a changé un peu. Ah oui, je sais, mais... On fait comme ça, tac, 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 tac. Après la pâtée,
et de nouveau on remue. Et voilà, il a la pâtée, il est content. Et je suis en retard, 23 secondes. Ouais, mais je suis toujours. J'arrive pas à faire assez vite, de toute façon. Et ensuite, la seringue. Parce qu'il faut lui mettre la piqûre. Alors, la piqûre, ça se passe comme ça. La piqûre. Alors, on fait comme ça. On fait ça. Hop. Après, la piqûre, elle est là. Tac. Ici, j'appuie, j'ai loupé la cible, tac, appuyer pour l'éjecter, hop, et ensuite, donc c'est quoi le truc? De quoi? Reste appuyé? Ah oui, pardon, tant pour moi. Ouais, bon, je suis à peu près. Et après, le bidule, si je puis dire, déplacer dans ce sens. Et voilà. Alors, une deuxième à mettre. Hop. Dans ce sens. Et là, c'est bon. Ah, la piqûre, j'ai loupé. Ouais, je sais pas ce que j'ai fait. C'est pas grave. Votre animal manque de vitamines. Après chaque sortie en forêt, son pelage, non. Vous devez changer son alimentation pour qu'elle soit plus nourrissante. Ouais. Une petite bise à la pâte, non. C'est ça. C'est bon. Bon. En fait, la piqûre, j'ai un peu loupé le truc. Allez, dossier de l'animal. 3 étoiles. On est bon. Allez, on s'en a fait davantage. Alors, où est-ce que je vais faire pourquoi? Oui, c'est ce que je vais faire. Salle d'entretien. Je sais plus laquelle c'est. Je crois que c'est celle-là, non? Benne des animaux. C'est pas ça. Radiographie, c'est pas ça. Salle d'entretien. Mais ici, je pense. Salle d'entretien. 1125. Qu'est-ce qu'elle avait dit, en fait, qu'il fallait faire? Traite des patients. 1 sur 2, 1 sur 2, 1 sur 2. Ok. Ah, mais c'est pas fini, alors. Collecte des pièces. 300, d'accord. Fais de la place pour arriver. Alors, construis la salle d'arrangement et la salle du personnel. Ah non, c'est d'arrangement et la salle du personnel. La salle d'arrangement et la salle de personnel. Ça, c'est les mêmes pour animaux, j'ai dit. Ah non, c'est celle-là. Salle de... Ça du personnel. Ah ouais, 1500 j'ai passé ce bataille. Bon, ben on va attendre d'avoir des sous-sous. Hein. Allez, go. Un cadeau. 25. Bon. Il n'y a plus. Qu'est-ce que je peux faire? Installer. Qu'est-ce que je peux installer, au fait, là? Du niveau extérieur. Ouais. Ouais, d'accord. Et ben, on va le mettre là, alors. T'es. Je sais pas si c'est... Non, c'est pas ça. Améliorer de nouvelles salles. Ouais, d'accord, mais... Ils disent salle d'entretien, salle de rangement et salle du personnel. Sauf que j'ai passé de sous-sous. Ah bah je m'attends là. Ah mais y a rien. Bon mais ici on peut rien mettre. Donc... ici, ah voilà, au pif, allez donc, on va mettre là, bien ce...
Bébé. On peut pas celui-là? Ah là, j'y comprends rien. Et pourquoi on peut pas? Oh, puis zut, hein, Paul. Je sais pas, ouais, ça fait rien. Et ça, un peu. Non, c'est pas ça. Comment ça marche leur truc là? Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Mais y a que ces deux. Bah, je sais pas. Bon, c'est quoi ce truc là? Niveau 11, non? Ça, je l'ai mis. Ça, je l'ai pas mis. Ah oui, là, rien. Je peux pas mettre là. Allez, go. Oh, et là, je peux mettre. Là, c'est fait. Il n'y a rien d'autre. Donc. Bon, ok. Alors, je peux pas faire là. Je peux pas mettre là. Ici, je peux mettre. Non, je l'ai fait. Je peux pas mettre non plus. Ouais, mais des salles. Je peux pas mettre de salles. Ça, c'est fait. Ah, ici. Ici. Il n'y a que ça? Ah ouais, bon, je vais mettre un truc là. Pourquoi je peux pas mettre là? Ah, parce que je les ai mis déjà. Ouais, je sais pas. Allez, go. Là, c'est quoi déjà? Salle d'entretien. Ah oui, je peux alors. Qu'est-ce qu'il a dit? Je sais plus déjà. On me rappelle plus. Salle de personnel, salle de rangement. Est-ce que c'est ça le... Et l'autre? Ça, salle de... ça c'est le bain. Non, le bain, c'est ça. Donc c'est ça. Il me faut combien? 1500. Oh non, j'ai passé. Alors donc tu vas rester là. Alors ce que je vais faire, je vais mettre celui-là. Donc je ne sais rien, moi. C'est où que je fais face. Ouais, c'est ça. La salle de personnel, je peux pas. Je passe de sous-sous. Alors, qu'est-ce que je fais? Bon, mais il n'y a pas de. Il n'y a plus de machin. Oh, bah, alors, je vais l'arrêter. Je vais faire la clinique, moi. Bon, allez, c'est bon. Bon, je fais un peu n'importe quoi. Hein. Par 13, par 1-3. Ah oui, d'accord. C'est ça, 1-3. Ah, mais c'est ouvert. Ah, mais t'as joué alors. Ok. Et donc ici, des patients avec des pièces. La salle de personnel, ouais, mais là, il me faut des sous-sous. D'accord. Donc, j'ai ouvert là, j'ai ouvert là. C'est ouvert. Ici, c'est ouvert. Ici aussi. Donc, tout est ouvert. Donc, je peux ouvrir la clinique. Un chat. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué là? Parce que. Niveau 6, 36, 53. Bon, bref. Je vais pas. Ensuite, programme Zoé, un British Short Hair. Notre petit cœur tousse depuis la dernière fois que nous sommes sortis. C'est probablement juste un rhume, mais nous voulons être sûrs. Et bien, on va être sûr, on va voir. Il a peur, le petit chat. Correct. Alors. C'est bon, deux c'est bon, c'est pas bon. Ok. Commencez le traitement. Allez, allez, on recommence. Pilule comprimée vitamine. Pilule, la pipilulule. C'est ça la pilule. Les comprimés, c'est ça. Hop.
Hop, et les vitamines, c'est les rouges. Allez, le pilon. Ah, c'est bon. Votre animal a un rhume. Les écharges ont... Alors, votre animal a un rhume. Les écharges ont été retirées. Non, c'est pas ça. Un rhume. Ne laissez pas votre petite bête jouer avec d'autres animaux pendant un moment. Puis à l'ombre, donnez des bains plus fréquents. N'oubliez pas, faites-le boire. Il a un rhume. Sont plus à l'ombre. À l'ombre, non, parce que s'il a un rhume, c'est qu'il s'est un peu. Des bains plus fréquents, non, en rhume, ça me donne grand chose, c'est le 2, je pense. Ouais, c'est ça. J'étais pas sûr, mais c'est ça. Ok. Hop. Je vais. Bon, allez. Je vais faire celui-là. Candy, en Maine Coon. Notre petit cœur tousse depuis la dernière fois que nous sommes sortis. C'est probablement juste un rhume. Ah bon? Alors, bah, si c'est un rhume, ça va être la même chose. Allez, go! Bon, c'est vrai que c'est un peu la même chose, hein, mais bon. Oui, c'est un peu la même chose. Oh, bon, au moins, on sait le faire maintenant, hein. Alors, c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, correct. Là, c'est pas bon. Ok. Comment c'est le traitement? Ah, c'est de nouveau pareil. Alors, on recommence. Les pilules. Où c'est que sont les pilules? Là. Suivant. Les comprimés. C'est un bleu, un rouge, pardon. Les vitamines, c'est cela. Bon, allez. Ah ben ça y est, c'est fait. Allez, go! Et la rhume, doucement, ça ne peut pas continuer comme ça. Non, les écharges ont été retirées non plus. Ne laissez pas votre petite bête jouer avec les autres animaux pendant un moment. Ok. Allez, ça s'enquille l'un dans l'autre. Allez, go! Hop. Oh là, il est dans l'autre, t'as dit. Ah, t'étais qui là? Attends que tous les personnages soient sortis. D'accord. Et qu'est-ce que je fais? 3, 2, 3, 3 dépassés. 3, 2, 3 sur 2, 3 sur 2, d'accord. 3 étoiles. Collecte des pièces, il me manque encore quelques pièces. Faites de la place pour Henri. Construire l'espace est fait. Il faut que je construise la classe de salle de rangement, mais j'ai pas assez de sous de toute façon. Hein. Donc. On va attendre. Ouvrir le cadeau. Je fais un cadeau. Allez. Des sous. Ouais, mais 26, c'est pas beaucoup, hein. Ah, une étagère marron avec plantes. Ok. C'est pour la déco. D'accord. Bon, mais on va. Alors ici, il me reste que construire la salle du personnel. Et collecter les pièces. Il m'en manque aussi. J'ai pas le choix, c'est que 599. Ça coûte 1500, je crois, là-bas. Donc, ici, c'est fini. Et donc, puisque c'est fini, on va arrêter. Allez, on ferme. Ouais.
On va arrêter là, parce qu'il y a 40 minutes, plus j'en ai assez. Donc voilà, terminé la journée, c'est fait. On va faire... Comment ça marche? Voilà. Donc. Et donc voilà. Le truc c'est mauvais, Candy. Ouais, c'est pas grave. Et l'autre, ouais, ça c'est mieux. Brave. Celui-ci c'est mauvais. Et celui-ci c'est... Brave. Zoé. Ouais, c'est pas grave. Donc voilà, bon, on va arrêter là. Parce qu'il y en a assez de fait, de toute façon. Et la prochaine fois, sa deuxième vidéo, j'essaierai de faire... J'essaierai d'en faire un peu plus. Bon, je vais voir. Bon, voilà, bon. C'est pas mal, c'est vrai que c'est un peu rengaine, quoi, mais... Bon. Parce que je vais... Alors, il faut que je vous dise un truc, c'est que... je voulais vous montrer la prochaine vidéo, enfin, la prochaine jeu, c'est... My Universe Cooking Restaurant, là, sur le cuisinier, enfin, la cuisine. Il se trouve que vient de sortir un jeu qui est issu de cuisine qui s'appelle Cooking Restaurant, je crois. Cooking Simulator. Il se trouve que le jeu est un jeu pas comme ici, c'est un jeu en 3D avec une vraie cuisine, avec de vrais ustensiles. Vraiment à 3D quoi, c'est vraiment la simulation, l'avantage, c'est plus réaliste. Et donc je pense que il est à 20 roues, je vais plutôt faire celui-là que faire l'autre. Qui est un petit peu dans ce style là quoi, hein. Donc je préférer faire l'autre. Donc le prochain jeu ça sera Cooking Simulator. Je vais essayer de faire une autre vidéo de plus là, peut-être, et voir ce que ça donne, où j'en suis, parce que bon voilà, bon c'est pas mal, mais c'est vrai que bon, oh, c'est plus du cartoon, c'est plus cartoon qu'autre chose ce jeu là, hein, mais c'est bon pour les bambins ça, pour les gosses, et puis pour les filles, un truc pour les filles, ça. C'est et pour les vieux comme moi aussi qui aiment les animaux, quoi. Voilà, bon, bref. Bon, sur ce, je vous dis donc bye bye et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao, en 3 jours. Allez, ciao.